que c'est lui. Quelle allure! Comment veut-on que je gagne ma vie enfermée ici toute la journée? Je ne donnerai pas à mon cochon. Puissante Tira, ta saga parcourra les âges, même si nul n'en comprend un traître mot. Sagaï, mavraonden tahra havi. Oui, tout à fait, oui. Tu n'aurais pas à manger? Havi? Je ne veux pas. Bonjour. Puisse la chance te sourire comme elle l'a fait pour moi. Voilà des pensées bien légères quand on voit le sort de ton peuple. C'est une tragédie, c'est sûr. Mais le but de la vie, c'est d'amasser de l'or. Je suis plus heureuse ici que je ne l'étais avant. J'adore les belles histoires. Et je n'en ai pas entendu depuis longtemps. Je suis forgeronne, aussi douée qu'un homme. Mais essaie donc de leur faire comprendre ça, là-haut. Si tu n'as pas de poils au menton et au bras, ils vont voir ailleurs. Mes affaires allaient mal. Personne ne me donnait ma chance. Ils pensaient que le travail d'une femme était moins bon, ces gros lourdeaux. Puis, il y a eu l'invasion. On a rejoint ce refuge où je suis la seule forgeronne. Tu crois que ça les gêne maintenant? Foutrement pas! Les meilleures armures. Les lames les plus tranchantes. Ça, il le loue, le travail d'Elga, à présent. Dommage que tant de gens soient morts pour qu'ils le comprennent. Adieu. J'ai déjà fait déjeuner ? Non, je suis en... Tu as bien agi, Einar, en véritable érudit. Tu as sûrement dû regagner la confiance de la population. Honnêtement, peu importe. Tant que Frithjof n'est plus entre leurs griffes, tu dois le comprendre mieux que quiconque. En effet. Je ne suis pas du genre à me plaindre, mais il y a trop de travail. Ce n'est qu'une question de temps avant que Claude ne nous trouve. Je te souhaite la bienvenue. Frithjof, briseur de cryptes, chercheur de reliques, l'aveugle qui désormais voit. Et toi, tu n'es qu'une moitié d'imbécile, ce qui est beaucoup pour un Aesir borgne. Porte-toi bien. Sache que tu es le bienvenu en Asgard. Il y coule un hydromel capable de te rendre aveugle à nouveau. Ah! Dans ce cas, je passe mon tour. Quand je ferme les yeux, je peux m'imaginer dans ma taverne préférée d'Uldar, de l'hydromel, de la bière, des glands au vinaigre. Ah! Quelqu'un d'ailleurs! Dis-moi, as-tu vu des empilements de cadavres de nains? Des muspels saccageant tout? Des villages détruits? Eh bien, il y a eu... C'est bien ce que je pensais. Cette invasion n'est qu'une invention de nos maîtres, afin qu'ils puissent s'enrichir encore plus. Eh bien, à malin, malin et demi. De nombreuses gemmes rares attendent qu'on s'en empare pendant que nous nous cachons sous terre. Apporte-moi, et je te récompenserai. Alors d'après toi, il n'y a jamais eu d'invasion? Le pouvoir, je désire. Tout est lié au pouvoir. Lorsqu'on n'est pas un berger, on est un mouton. Mais tu pourrais sortir et voir tout cela par toi-même. Inutile, voyons. C'est déjà clair comme de l'eau de roche. Ne me dis pas que tu t'es fait avoir. Les muspels que j'ai tués étaient bien réels. Et j'ai vu plus de cadavres de nains que je ne peux en compter. Oh non! Tu es dans leur camp, c'est ça? Épargne-moi tes mensonges, langue de serpent! La vérité l'emporte toujours! Tiens. Voilà d'autres gemmes pour ta collection.
Tu vois, comment pourrait-il y avoir une invasion alors qu'on peut trouver autant de gemmes? Je vais voir ce que je peux trouver. Pour aller où? Au secours! Cet ours essaie de me tuer! Aide-moi! Ah! Oh, pas de nain! Voilà, c'est réglé. Qu'est-ce qui l'a enragé? Je n'en ai pas la moindre idée. Je faisais tranquillement cuire ma nourriture, et soudain, il a essayé de me voler mon repas. Tu faisais à manger ici? Bien sûr! Mais cette affaire m'a coupé l'appétit maintenant. Crétin d'ours. Je ne pense pas que l'ours était le plus crétin des deux. Et pourtant, si. Cette histoire n'est qu'une des mésaventures qui forment la saga de ma vie. Car oui, je suis maudit. C'est cette saleté d'anneau. Il ne m'arrive que des malheurs depuis que je l'ai. Connais-tu la différence entre une malédiction et une série de mauvais choix? Alors... disons que j'ai justement pris la décision de débarrasser le monde de cet anneau et de son cèdre. Oui, je vais le détruire. Et j'aimerais beaucoup que tu m'apportes ton aide en m'accompagnant. Tu cherches une protection pour détruire un anneau? Mais pas n'importe quel anneau. Il est maudit, je te dis, par une sorcière Yotun. Une sorcière Yotun? Tu commences à m'intéresser. Raconte ton histoire pendant que nous marchons et je t'aiderai. Cet anneau. Anneau maudit! Cet anneau maudit, oui. Comment te l'es-tu procuré? Ce qui compte, c'est la destination, pas le voyage. Le nôtre prendra fin bientôt au sommet de cette montagne. Ma triste saga! Oh, je retiens cet ours. J'ai peut-être échappé à ses griffes, mais pas à la fin. Tu n'as pas dit que cela t'avait coupé l'appétit? Balivernes! J'ai besoin de manger pour finir ce voyage héroïque. Oh, formidable! Des champignons, bien colorés en plus. Non, non, ne mange pas ces champignons, ils sont... Tu es vraiment un bel idiot, toi, non? Maudit soit cet anneau! Il a empoisonné les champignons! Tu restes là, et ne mange plus rien qui pousse sur le sol. Je vais te trouver à manger, moi. Oh, c'est... c'est très gentil, mais fais vite. Oh, mon ventre! De vrais aliments vont arranger ça. Peut-être. Bonne idée. Est-ce que tu en aurais? Cet ours m'a tout pris. Tiens, mange ça. Oh! Eh bien, je vais devoir m'en contenter. Bon, ne traînons pas davantage. En route! Tu as parlé d'une sorcière, Yotun. C'est elle qui t'a donné l'anneau, ou c'est elle qui l'a maudit? Je n'en sais rien, moi. Je l'ai vue qui passait, et elle semblait pressée. J'ai voulu l'interroger. Une Yotun toute seule, ce n'est jamais très bon. Est-ce que tu as retenu son nom par hasard? Bien sûr. Hirokin, enfin, je crois. Hirokin? Tu l'as vue ici, au Svartalfheim. Je suis à peu près sûr que c'était Hirokin, oui. En tout cas, elle m'a donné l'anneau. Juste comme ça. Elle a dit qu'il me porterait bonheur, mais qu'il devait rester loin d'elle pour que sa magie fonctionne. J'ai utilisé la même méthode avec mes enfants, oui, et plus d'une fois. Non, 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 c'est autre chose! Elle ne m'a pas donné le bon anneau. Celui-là est maudit. Depuis que je l'ai, il ne m'arrive que des malheurs. C'est épuisant, d'ailleurs. Mais la fin de mes souffrances est proche. Nous y sommes presque. Viens, je crois que j'ai trouvé un raccourci. Qu'est-ce que c'est que ça? Arrière! Arrière! Seigneur Mungang en personne?
montagne à escalader. Le chemin m'a l'air assez sûr pour toi, maintenant. Eh bien, il pourrait être moins escarpé, mais j'imagine que ça ira. Bon, je vais te conter la suite de mes malheurs. Ma mauvaise fortune est telle que même Gafoulési semblerait le plus chanceux des nains. Je t'invite à te taire. Nous risquerions moins de... d'être entendus par d'autres animaux dangereux. Oui, oui, tu as raison. Les mots qu'on ne prononce pas ne peuvent porter malheur. Tu es sage. Salut est enfin à portée de main. Alors ne traînons pas. Débarrasse-toi de l'anneau. Anneau maudit! Combien de fois tu... Oh, tu écoutais ce que j'ai dit, au moins? Avec la plus grande attention. Anneau maudit, tout ça... Allez, vas-y, qu'on en finisse. Oui, je vais enfin être libéré de ce tourment, ce fardeau. Je connais ce sentiment. Disparais, salaud! Voilà qui est fâcheux. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ces gémissements? C'est... Allons, parle. C'est bon, mon bien-aimé. Je n'ai pas eu l'occasion de lui dire adieu. Il réparait le toit, mais il a glissé, il est tombé. Il est... Je vois, oui. Peut-être n'est-il pas trop tard pour l'aider. Tout ce qu'elle souhaite est de lui dire adieu. Je peux faire quelque chose. Mais... qu'est-ce que... je... je suis en vie ? Vivant ! Oh, merci ! Merci beaucoup ! Quel bonheur d'avoir une deuxième chance ! Plus jamais je ne prendrai la vie comme un dû. Chérie, je... Et plus jamais je ne remettrai les pieds sur ce toit si dangereux. Le réparer? Ah! Il y a plus important dans la vie que des tuiles. Mieux vaut explorer le monde. Ah! Là... Oui, certes. Je vais voir ce que je peux faire. Tu es vivant, oui, on sait. Mais tais-toi. Elle a quelque chose à te dire. Oh, fort bien. Mais qui es-tu, jolie fleur? Tu ne me reconnais pas, bon? Je suis Liv, ta bien-aimée. Mais je ne t'ai jamais vue de ma vie, aussi ravissante que tu sois. Tu as dû te cogner la tête en mourant. As-tu oublié notre amour et notre vie dans cette maison? Bon, écoute, Beau, où as-tu caché le trésor? Enfin, notre trésor. Un trésor? Quel trésor? Mais tu vas arrêter, oui.
persistes-tu à me ramener ? Pour satisfaire ma curiosité. Toi, tu la connais ? Mais je ne l'ai jamais vue, elle. Toi, à quoi rime toute cette histoire ? Où est la clé de ma maison ? Tu m'as volé pendant que j'étais mort ! Oui, d'accord. Quand je t'ai vu tomber, je me suis dit qu'enfin, je pourrais prendre les choses précieuses que tu as chez toi. Et peut-être même la maison aussi. Mais avec tous ces muspels qui rôdent, tu peux te la garder, ta clé. Adieu. Ah, laissez-moi en paix maintenant, pitié. Ah. Pas si vite. Rends la clé. D'accord. Tu ne manques pas de ressources. Tu connais les grottes de cristal au-dessus d'Uldar. Il y a un refuge là-bas, d'autres nains. Tu y seras en sûreté. Dans ce cas, je vais y aller. Voilà ta fichue clé. Et merci, j'imagine. Blessé ? J'allais te demander la même chose. Grâce à toi, je survivrai. Tu as fait preuve de beaucoup plus de courage que moi. Disons que j'ai de l'entraînement. J'aimerais t'offrir quelque chose en remerciement, mais j'ai perdu mes affaires lorsque j'ai tenté de m'enfuir. Prends soin de toi. Je ne te demande rien de plus. Non, mais tout de même, j'aimerais te donner quelque chose. Tu connais le refuge de Grenelir ? Une grotte remplie de cristaux gigantesques. Passe me voir là-bas. Ces animaux, tu sais ? Je jurerais les avoir entendus parler. J'ai cru être folle et puis j'ai vu que c'était des Jotnar. Ils ont parlé de se regrouper avec leur meute, sur une plage noire, au sud du Milna de Soudra, je crois. Est-ce que cela te dit quelque chose ? Je ne sais pas. Peut-être chercherai-je cette plage pour savoir de quoi ils parlaient. Reste sur tes gardes. Et merci encore. Nous nous reverrons peut-être au refuge de Grenelir. Barbe de mon père, voilà qui est fort des paysans. Faites-moi descendre tout de suite. Eh oh, y a quelqu'un? Ah bon sang, comme c'est humiliant. À l'aide! Tout compte fait, on aurait dû choisir un moyen plus rapide de tuer celui-là. Quelqu'un peut le faire taire? I'm
sea dust. Tu n'as plus rien à craindre. Oh, merci, merci beaucoup. Ah, c'est toujours un plaisir de voir mourir cette vilaine engeance. Bien fait, s'en prendre à moi. Non mais quelle idée, voilà ce qu'il en coûte. Oui, eh bien, je vais y aller. Oh, mais comment puis-je te remercier d'avoir sauvé ma précieuse et encore si juvénile vie? Oui, je sais. Retrouve-moi au refuge de Grenelir et tu y recevras une récompense digne d'un héros. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Si, si, j'insiste. Et si tu as envie de leur donner une nouvelle leçon, il y en a d'autres sur la plage noire. Tu connais l'endroit, j'espère. Au sud d'ici, où l'on fabrique les animaux guerriers, tu sais, ces effroyables créatures. Je pense qu'ils y attendent un ou une Yutun. Enfin, si mon avis t'intéresse. La plage noire, tu dis? Je vais peut-être y aller. Ce n'est pas ma plage préférée, c'est sûr. Mais qui va encore à la mer en des temps pareils, après tout? Bon, à bientôt au refuge. Au revoir. Je crois savoir de quel lieu il parlait. Quand je dois travailler si fort que même les gars... Alors, tu me rapportes des gemmes? Tiens, voilà d'autres gemmes pour ta collection. Tu es très utile, pour quelqu'un d'ailleurs. Je vais voir ce que je peux trouver. Quand je ferme les yeux, je peux m'imaginer dans ma taverne préférée. De l'hydromel, de la bière. Tu es la plus énorme vinaigre. Salut à toi. Je commençais à croire que tu m'avais oublié. Tiens, même si cela est bien peu, un modeste remerciement pour m'avoir sauvé de ces bêtes. Rien ne t'y obligeait. Et cela me sera plus utile que tu ne l'imagines. Merci. Ce n'est pas le travail qui manque. Si jamais cela te tente... Tu es rentré en un seul morceau. Oh, quel bonheur! Regardez tous! C'est la personne dont je vous ai parlé, qui m'a évité d'être rôti vivant. Et voici ta récompense. Non, je t'en prie, je sais que c'est très généreux. Ne dis rien, surtout. Seulement si tu le promets aussi. Peu importe qui a donné l'ordre de supplicier les nains. Cela doit cesser. Et vite. Je suis sûr de te connaître. Je pourrais peut-être réussir à grimper jusqu'à là-haut, mais... Alors comment? Qu'y a-t-il? On dirait que tu as perdu quelqu'un. En un sens, oui. J'attends que quelqu'un revienne d'une course. Tu ne me croiras sûrement pas si je te le raconte. Il n'y a plus grand-chose qui m'étonne. Vas-y, je t'écoute. J'ai un corbeau, Kraka. Je l'ai trouvé, blessé, au début de l'invasion. Je l'ai soigné, et il a décidé de rester avec moi. Nous avons un lien. C'est comme s'il observait les terres depuis le ciel, et que je comprenais tout ce qu'il voit. Connais-tu ce genre de sensation? Cela m'évoque quelque chose, oui. Donc, tu as perdu ton corbeau, ici? Non, pas ici! Là-haut, sur cette cochonnerie de bout de rocher, dans le ciel! Je crois qu'il y a quelque chose de bien, de très précieux, là-haut. Alors, j'ai envoyé Kraka voir ce qu'il pourrait trouver. Il a un don pour dénicher les trésors. Il y est allé, et depuis, plus aucun signe de lui. Alors je vais tâcher de trouver ton Kraka. À moins que tu aies des ailes, je ne vois pas comment. J'ai de quoi te surprendre, nain.
vois-tu, ma vieille amie? Mieux vaut éviter d'attirer l'attention ici. Alors, on profite de l'hospitalité des Muspel ? Ils m'ont attrapé avant que je puisse voler ce que j'étais venu chercher pour mon maître, le nain en bas. Il m'appelle Kraka. J'ai envahi ces terres il y a bien longtemps. Les nains se sont défendus. Et blessé, j'ai adopté la forme d'un corbeau avant qu'il ne m'achève. Skavi m'a trouvé et m'a pris pour un banal oiseau. Il m'a emmené et soigné pour que je me rétablisse. Sans jamais découvrir ta vraie nature. Heureusement pour moi. Peu importe, le trésor de ce rocher, je dois le rapporter à mon maître. Il m'a sauvé après tout. Tu veux bien m'aider? Je n'ai rien à t'offrir en échange, mais Skavi aura de quoi te remercier. Je ne te promets rien. Je comprends. Mais si tu le trouves, tout ce que je te demande, c'est de le donner à Skavi. S'il te plaît. Tu ne veux pas lui donner toi-même? J'ai suffisamment été un fardeau pour lui. Je ne veux pas qu'il apprenne qu'il a été un ennemi. Il mérite mieux que ça. Très bien. Bonne chance à toi, Kraka. À toi aussi. Va voir, Séné.
Alors, tu cherches à entretenir le mystère, Aizir? Tiens, j'ai quelque chose pour toi. C'est vrai? Mais qu'est-ce que... C'est impossible! Comment as-tu... Je te l'ai dit, j'ai de quoi surprendre. En effet, oui. Et Kraka, mon corbeau, est-ce que tu l'as vu? J'ai trouvé Kraka. Il m'a aidé à découvrir le trésor, mais il a choisi sa propre voie. Il a volé vers le sud, en bonne santé. Je vois. Eh bien, bon voyage, mon ami. Ton brassard, dis donc. C'est lui qui t'a permis d'aller là-haut? Peut-être, oui. Je peux l'améliorer, si tu veux, en remerciement. Et l'améliorer comment? Rejoins-moi à ma forge et je te montrerai. Bien entendu, n'importe quel forgeron digne de ce nom peut le faire. Et ces rochers dans le ciel, si tu y trouves d'autres trésors, apporte-les-moi et je verrai ce que je peux faire. Très bien, je te retrouverai au refuge. Si tu as perdu la clé, dis-le, c'est tout. Mais je n'ai rien fait de mal. J'ai dit la vérité. C'est ce maudit poisson qui me l'a prise. Tu as été volé par un poisson? Allons, tu n'es pas sérieux? Si, très sérieux. Bon, écoute. Redis-moi ce qui s'est passé exactement. J'étais sur le point d'attraper le poisson, d'accord? Mais lui, ne voyait pas ça comme ça. Il m'a dit de jeter tout ce que j'avais dans l'eau. Alors, je le fais. Devient un peu plus clair. Et alors quoi? Le poisson est entré dans ta poche et t'as pris la clé? Pardon? Mais ne sois pas stupide. Je lui ai donné la clé. Tu as donné notre clé à un poisson? Un poisson extraordinairement persuasif, oui. Si tu veux la récupérer, va lui parler. Bon, écoute. Redis-moi ce qui s'est passé exactement. J'étais sur le point d'attraper le poisson, d'accord? Mais lui... Ne voyez pas ça comme ça. Il m'a dit de jeter tout ce que j'avais dans l'eau. Alors, je l'ai fait. Parfait. Bien. Ça devient un peu plus clair. Et alors quoi? Le poisson est entré dans ta poche et t'as pris la clé? Pardon? Mais ne sois pas stupide. Je lui ai donné la clé. Tu as donné notre clé à un poisson? Un poisson extraordinairement. Vous, là, c'est quoi cette histoire de poisson voleur? Croire mon frère ici présent, le maudit poisson qui garde ses os se met à voler les gens. Il garde ses os. Ce doit être une terrifiante créature des profondeurs, couvert de dents, de tentacules et d'yeux sur sa tête monstrueuse, non? Un défi digne du seigneur d'Asgard. Non, non. C'est juste un poisson. Normal. Mais énorme, au moins, n'est-ce pas? Eh ben non, même pas. En tout cas, très rusé. Ça fait des mois qu'aucun nain n'a rien pêché ici. Tout ça à cause de ce poisson. D'accord. Et pour ce qui est du vol? À en croire mon idiot frère, donc le poisson a réussi à faire sortir notre clé durement gagnée de sa poche. Ce qu'il a été très convaincant. Écoute, si tu attrapes ce poisson, tu pourras garder notre clé et le trésor qu'elle protège. Tout ce qu'on veut, c'est en finir avec le poisson. Qu'en dis-tu? Peut-être. Voyons ensemble de quoi est capable cette créature. Ensemble? Oh non! Moi, je reste à l'écart. Tu le veux, tu l'attrapes. Moi, je m'en vais. Oui! Il doit bien y avoir un endroit où il est moins risqué de pêcher. Approche! Redoutable créature des profondeurs! Tu ne tourmenteras plus ce qui approche de ces eaux! Tu vas connaître ta fin des mains du Très-Haut. Je t'attends. Regardez-moi tous ces délicieux poissons. Thank you.
Tu es le poisson gardien. Viens ici. Bouche. Mais à quoi tu joues? Est-ce que je débarque en Asgard, moi, pour te sortir de ta maison? Donc toi, tu n'es pas un poisson, en fait. Eh ben non, ni un ennemi, d'ailleurs. J'étais là quand tu étais au Jotunheim, et à boire assez d'hydromel pour tuer un homme. J'ai vu ce que tu as fait à Sutung ce jour-là, en le mettant quasiment embouillé sans l'aide de personne. Il faudrait être fou pour te défier. Mais bon, tu m'as battu loyalement. Nul n'avait réussi. Et crois-moi, beaucoup m'ont essayé. Tu veux cette clé, j'imagine? Oui. Et que tu quittes les eaux, aussi. Non, ça, pas question. Je me suis installé, maintenant. Les nains n'arrêtent pas de venir. Ils tentent de me tuer, ainsi que mes voisins aquatiques. Et c'est intolérable. Alors, je les en empêche au seul détriment de leur orgueil. Toi, tu défendrais bien ta contrée avec plus de vigueur encore, non? Oui, je l'avoue. Et je comprends ton point de vue, malgré son étrangeté. Alors, prends ta récompense et laisse-moi la mienne. Une vie de poisson est plus merveilleuse que tu ne l'imagines. Et je protégerai ces eaux, tant que je vivrai. Très bien. Bon, espérons que ce coffre vaut tous ces désagréments. Vous entendez, mes frères? Mes sœurs? Notre lac est de nouveau tranquille. Si une chose me manque, c'est bien la conversation. C'est quand même étrange d'avoir de nouveau des jambes. Je protégerai ce lac et la vie de tous ceux qui l'habitent. C'est un honneur et un privilège. J'ai trouvé le lac le plus reculé du Svartalfheim, et les nains s'amassent ici comme si leur contrée n'était pas envahie. Pitié! Je ne sens plus rien! Laissez-moi partir! Ne me faites pas mourir comme ça! De grâce! Qu'est-ce qu'il y a? Tu as dit quelque chose, petit? Tu claques tellement des dents que je ne comprends rien. La résistance au froid m'impressionne. Merci. Je ne sais pas ce que je serais devenu si... Garde tes forces, tu ne crains plus rien. Tu dois seulement te réchauffer. Ce que je dois faire, surtout, c'est... regagner mon refuge. Celui de Yordag. Viens me voir là-bas, que je te remercie comme il faut. Tu sais, ils ont... Il y en a d'autres comme eux qui rôdent. Et ils doivent s'en prendre à d'autres nains. Ils ont un repère, je les ai entendus en parler. Ils pensaient que je ne les entendais pas, mais ils avaient l'air de comploter quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Au sud de Mjolnir Smida, près d'un tournant sur la route, va t'occuper d'eux là-bas, s'il te plaît. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire, mais j'irai peut-être là-bas. Peux-tu rentrer au refuge sans encombre? Pardonne-moi. Oui, je crois. Peut-être aurais-je le plaisir de t'y revoir. Voilà un lieu de grand pouvoir. C'est ici qu'a été forgé le marteau devant lequel s'inclinent tous les autres. Thank you.
Broker et Sindri avaient fabriqué deux cadeaux éclipsant ceux des fils d'Ivaldi. Présent, ils comptaient produire leur chef-d'œuvre. Mjolnir, le fléau des géants. Un marteau capable de raser les montagnes qui, lors d'un lancer, ne manquait jamais sa cible et revenait dans la main de son propriétaire. Une troisième fois, ils se mirent à leur forge. Que l'objet soit parfait, elle devait demeurer exactement à bonne température. Encore une fois, Loki vint sous forme d'insecte. Il tenait tellement à faire échouer Broker qu'il le piqua à l'œil plus férocement que n'importe quel autre insecte. Cette fois, il réussit son coup. Le marteau était imparfait, son manche légèrement trop court. Cela ne nous empêcha pas de juger le travail de Sindri et Broker meilleur. Loki avait perdu son pari, et sa tête allait tomber. Bien peu aurait pleuré la mort de Loki. Et comme d'habitude, le roublard trouva le moyen d'échapper à sa parole. Une histoire pour un autre jour. De tomber. J'ai parié 3 fragments d'argent que tu tiendrais plus longtemps que tes amis. Non, non, vas-y, tombe. J'ai parié quitte ou double sur ce coup. Calme, tout va bien. Oh, les dieux soient loués. J'étais au bout de mes forces. Grand merci, très haut, ainsi qu'à tous les tiens. Toi aussi, tu étais très haut aujourd'hui, non? Trop tôt pour les blagues. Mais je te remercie. Viens me voir au refuge de Yordeg. Si tu parviens à franchir les hédonistes, j'aimerais t'offrir un présent. Et il y a d'autres de ces géants, tu sais. Ils ont parlé d'un chef, d'un repère peut-être. À l'est de Skidbladnir Smida, si j'ai bien compris. Ça te dit quelque chose? Je vais y songer. Je chercherai peut-être leur chef et l'empêcherai de nuire davantage. Bon, si l'envie t'en prend, n'hésite pas à l'envoyer voler depuis un sommet très haut. Moi, il est temps que je retrouve le sol bien ferme du refuge de Yordeg. Adieu. Ce lieu, je pense savoir où il se trouve.
d'accepter le présent et d'accepter. Obéis à ton maître, ou je te transforme en épée, maudite bête. Impossible. Goulin Bursté. Camelot venin, tu n'es que... Tu oses voler ce qui m'appartient? Je vais te tuer. Là, là, Goulin Bursté. Voilà. Tout va bien. Je suis là, désormais. Et j'ai grand besoin de ton aide. Si tu veux... Du calme, mon vieil ami. C'est moi, ton maître, à présent. Je vous en prie, ne faites pas ça! Réfléchissez! Ma mort ne vous apportera rien! Je ne dirai rien! Je ne vous ai jamais vu! Pitié! T'inquiète pas, ça va aller. Mais ne bouge pas, sinon je vais rater mon coup. C'est vrai. Et tes petits amis ont adoré. Ils n'ont même pas pu se retenir. D'accord. Je ne peux rien faire. Alors allez-y, espèce de foutu lâche. Allez-y! C'est fini. Ils ne feront plus de mal à qui que ce soit. Quelle chance j'ai eue que tu passes par là, très haut. Ils ont tué mes amis, ces monstres. J'aimerais te donner quelque chose en remerciement, mais ils ont pris tout ce que j'avais de précieux. Ne t'en fais pas pour ça. L'important est que tu te mettes à l'abri. Passe à mon refuge. Je t'y offrirai quelque chose. Rien de fabuleux, mais un témoignage de gratitude. Le refuge de Yerdeg, ça s'appelle. Ces géants ont dit qu'ils n'étaient pas seuls. Et il y a leur chef, sur les hauteurs au nord-est du Milna de Stor, ont-ils dit. Si mes pas me conduisent là-bas, je leur rendrai peut-être visite. Tu peux rejoindre sans peine ton refuge? Je crois, oui. Alors je t'y reverrai un jour. Bonne chance. De ce que peuvent dire les gens. Si seulement je pouvais te parler, Svas. Est-ce que tout va bien? J'aimerais le savoir, très haut. Tu me reconnais? Bien sûr, mais je n'ai rien contre toi. Et si c'était le cas, il y a plus urgent. Il faut que j'entre dans le refuge des nains. Tu cherches à te faire tuer? Non. Mais si je dois perdre la vie pour retrouver celui que j'aime, je suis prête à payer un tel prix. Ils ont capturé un Yotun? Non. Non. Celui que j'aime, c'est... un nain, Svas. Et aussi étrange que cela puisse paraître, je crois qu'il m'aime. Après avoir vu tout ce qui se trame dans ce monde insensé, j'ai appris à chérir ce qui est vraiment, véritablement précieux. Crois-tu que tu pourrais m'aider? Tout ce que je veux, c'est lui parler, savoir que je ne suis pas la seule à ressentir cela. Très bien.
Mais je ne peux pas te faire entrer sous cette forme. Peux-tu en changer ? Ça ira, ça ? Il fallait que ce soit un loup, bien sûr. Tu disais ? Rien. Reste près de moi. Il ne mange personne. Je ne suis pas un animal, tu sais. Alors, comment comptes-tu faire ? Je n'en sais rien. Et tais-toi ou tu vas nous faire prendre. Tu sais comment retrouver le marque que tu recherches. Je connais son odeur. Alors passe devant, mais ne t'éloigne pas. Voilà, bon chien-chien. Oh, Avi, attends un peu. Tu ne peux pas amener cette chose ici. Elle va nous dévorer. Du calme, voyons. C'est ma louve. Elle ne fera de mal à personne. Ta louve ? Pourtant, on dit que tu as chassé jusqu'au dernier loup d'Asgard. Ne crois pas à tout ce qu'on raconte. Allez, laisse-nous passer. Où va ta louve à présent ? Je vais aller voir. Tu as perdu la tête. Sais-tu ce qui arrivera si on te trouve ici ? Je n'en pouvais plus d'attendre, et on m'a aidé. Je vois ça, oui. Merci, Très-Haut. Ce n'était rien. J'ai déjà fait davantage au nom de l'amour, crois-moi. Alors, suis-je folle ? Ou ressens-tu toi aussi la même chose ? Tu n'es pas folle. Tu es incroyable. Je n'en reviens pas que tu aies risqué ta vie pour moi. Sans hésiter, amour. Des loups ! À l'aide ! Il faut les aider. Viens, Très-Haut. Yotun ! Yotun est rentré ! Tu es là ! Non ! Elle affronte les loups. Elle est votre alliée. Tu aurais pu te cacher, garder ta nature secrète. Deux fois tu as risqué ta vie par amour. La Yotun ! C'est elle qui a amené les loups ici ! Les Yotnars sont nos ennemis ! Silence ! Êtes-vous donc des crétins, prisonniers de leur peur et incapables de voir la réalité ? Vous l'avez tous vu ! Vasker n'a pas hésité à vous aider. Elle est venue, et en un battement de cœur. Acceptez-la, ou nous partirons tous les deux. Est-ce bien vrai ? Oui, entièrement. Je serais fou de te laisser glisser entre mes doigts. Dans ce cas, ma tâche est accomplie. Bonne chance à vous deux. Et à vous tous. Thank you.
battant, on se portera mieux. On croit encore entendre le fracas des marteaux. On a façonné ici un objet de valeur. Cadeau de Loki, au seigneur d'Asgard, fait de soleil et de robuste métal asgardien. La pointe de la lance était gravée de runes, afin de la guider. Gungnir ne ratait jamais sa cible. Loki avait désormais les trois cadeaux dont il avait besoin pour se racheter en Asgard. La chevelure de Sif, Gungnir et Skilbalnir. Mais un autre projet germait déjà dans son esprit. Trois cadeaux ne suffisaient pas. Espèce de vieux tas de bouse. Détachez-moi et j'oublierai tout. Et croyez-moi, il vaut mieux ne pas me mettre en colère. Il a une grande gueule, non? Ce serait dommage de la transpercer avec une flèche. Allez-y! Tirez, bande de crétins! Vous rateriez une vache en surpoids, coincée dans un abîme. Prends ton dernier souffle. Aidez-moi! Tu as eu de la chance qu'il vise aussi mal. Oui, et que tu saches mieux te battre que ces crétins. Très haut, les récits de tes exploits ne mentent pas. J'aimerais beaucoup te remercier de ton aide, mais ces misérables ont brûlé mes affaires. Passe me voir au refuge de Yordeg, et je te trouverai quelque chose. Si jamais je m'y rends, pourquoi pas? Qui sait? Si tu cherches un adversaire plus redoutable, ils ont dit que leur chef n'était pas loin. Tu ferais une autre bonne action en nous en débarrassant. Ils parlaient très souvent de deux cimes dorées situées à l'est. J'imagine qu'il y a quelque chose entre ces sommets. Entre deux cimes dorées à l'est. C'est bien étrange. Oui, oui. Eh bien, si tu trouves leur chef, offre-lui mes salutations. Je veux dire par là, tranche-lui sa sale tête. Quoi qu'il en soit, tu me trouveras au refuge de Yordeg. J'y serai peut-être complètement ivre, mais j'aurai plaisir à te revoir. Un autre indice. Et je pense connaître l'endroit dont il parlait. Vous êtes mieux ici, loin des flèches. Ah, très haut! Tu as réussi à trouver le chemin de notre petit bout de paradis. Bien, bien, j'ai quelque chose pour toi, en remerciement. J'avoue que ce lieu est parfait pour oublier le monde extérieur. Merci, je saurai en faire bon usage. T'en presse, j'ai d'autres chefs Yotnar à chercher. Il doit faire moins froid ici, non? Ah, j'espérais bien te revoir. Au moins, je parviens à aligner trois mots sans que mes dents ne s'entrechoquent. Merci.
Sans toi, je serais mort de froid là-bas. Tiens, ça n'a rien d'extraordinaire, mais c'est tout ce que j'ai à t'offrir. Eh bien, sache que cela me sera utile. Merci. On s'amuse par ici, n'est-ce pas? Salut à toi, Tréo. Tu as réussi à franchir les fêtards? Ma foi, laissons-les s'amuser. Tiens, voici un petit cadeau pour m'avoir sauvé. Merci. Je saurai l'employer à bon escient. Maintenant, je crois que je vais aller rejoindre les... disons... festivités. Bonne chance à toi, Tréo. Il reste des chefs vietnamiens en vie. L'honneur voudrait que je les tente. Tu as appris à propos de la vie. J'ai grand plaisir à te voir en lieu sûr. Très haut, ravi de te revoir. Tiens, voici quelque chose pour te remercier de m'avoir sauvé la vie. Ce n'était pas nécessaire, mais... merci. Laisse-nous tranquille. Tu devrais t'en aller. T'en presse. J'ai d'autres chefs lieutenants à chercher. Laisse-nous, tu veux ? Ah, te revoilà. Comme je te l'ai dit, trouve d'autres braises et je pourrai te fabriquer quelque chose de spécial. Moi ou un autre forgeron. Tu n'as pas l'air de te sentir bien parmi les tiens. Ce sont des idiots à la cervelle ramollie qui font la fête pendant que le monde dehors tombe en ruine. Autrefois, je fabriquais des armes pour des guerriers, pas des cuillères pour des gloutons. Jadis, nous étions un peuple puissant. Pensant notre petite taille par notre ingéniosité. Mais, malheureusement, nous avons vendu notre âme cupide aux objets que nous fabriquons. Lorsque l'ennemi s'en est venu, nos marteaux et nos haches n'ont servi à rien, car nous avions perdu le courage de les brandir. Bon, alors. Je repasserai plus tard. J'arrive tout de suite. Dès que j'en ai fini ici, j'ai mangé un petit morceau. C'était trop. Ah, par les neuf mondes, quelle est cette puanteur? Oh, ça, c'est moi. Tu n'as jamais songé à prendre un bain? Tu as le même parfum qu'une charogne d'une semaine trempée dans les renvois et les humeurs d'un troll. Ce n'est pas un bain qui chassera l'odeur de la honte. Bon, tu es là pour acheter ou pour m'insulter? Parle-moi de cette honte. Autrefois, j'étais un guerrier, le chef de la milice, chargé de l'ordre dans le village. Puis, les Mospels sont arrivés. Les miens se sont tournés vers moi pour commander la défense, afin qu'ils aient le temps de partir. En voyant l'ennemi... Tu as fui. Je me suis caché dans la fosse à purin du village. Elle servait aussi aux cochons. J'ignore combien de temps je suis resté dans ce cloaque. Mais... quand j'en suis sorti... tout était déjà fini.
Pas un seul nain n'avait survécu. Rien que moi et ma honte. Alors, j'ai à jamais raccroché ma hache. Et j'ai essayé de me rendre utile ici, d'une manière ou d'une autre. Alors j'ai beau me récurer la peau à me savonner jusqu'au sang, mais rien n'efface l'odeur des latrines. C'est la marque de ma lâcheté, la marque de mon fardeau en somme. Ça vaut mieux pour toi. Pardon, je peux pas rester plus longtemps. Viens, Tréo. J'ai des marchandises à te montrer. Je me demandais quand je te verrai. Tu vends des babioles brillantes, comme d'habitude. Ravi de te voir, moi aussi. Je me demande combien de fois nos chemins vont encore se croiser. Assez souvent, je pense. Vraiment ? Malgré l'approche du crépuscule ? Ce n'est pas pour tout de suite. Tu parles avec l'assurance de quelqu'un qui peut lire l'avenir. Mon œil peut voir très loin, c'est vrai. Pourtant, tu te montres très myope. Quand l'heure du crépuscule viendra, je n'y succomberai pas. Tu es peut-être moins unique que tu aimes à le penser. Tu as un plan toi aussi ? Pour le Ragnarok. Loki m'a appris beaucoup de choses. Et j'ai mis à profit ses enseignements sous des formes auxquelles lui-même n'avait pas songé. Mais il a berné beaucoup de gens. Toi surtout, à ce que j'ai appris. N'oublie pas quelle est ta place, lutin. Oh, mais je l'aime, ma place, Tréo. As-tu envie d'acheter des babioles brillantes, comme d'habitude ? Je suis toujours heureux de te soulager de tes opales durement gagnées. Et si tu n'en as pas, je peux t'aider à t'en procurer. Un autre de tes stratagèmes. D'accord. Dis-moi ce que tu as en tête. Ma réussite fait beaucoup d'envieux, Avi. Des individus malfaisants qui cherchent à nuire à mes nobles projets. Heureusement, les fils d'Ivaldi voient ma situation d'un bon œil. Eux aussi ont hâte de voir mes ennemis vaincus. Tu veux dire que tu les as achetés ? L'or et l'argent n'ont plus guère de valeur ici. Mais les nains ont toujours des besoins, et je suis en mesure de les satisfaire. Cherche ceux de leurs membres qui sont à mon service, et ils te fourniront des contrats. Des contrats ? Un joli mot pour des basses besognes. Regarde ma tenue, Tréo. Souviens-toi de mon écharpe. Au fil de tes voyages, tu rencontreras nombre de mes associés portant les mêmes atours. Rends leur service et tu gagneras une belle somme. Que tu pourras ensuite dépenser ici. Tout ce que nous vendons a été éprouvé et approuvé par Reda. Et une prochaine fois, adieu. Eh bien, au revoir. Je serais prêt à tuer pour un bon bol de gland grillé. Toi, c'est déjà fait. Ah. Oh.